Hey, ça y est, ça a fait. Je dis à la m'poté une vidéo pour nous. Côté que m'gal parler de droitement dans basse là. Ok? En pile bassiste, il y a un problème droitement. Par contre, on peut positionner Méo sur match basse là. Il y a un kebe basse là comme ça. Ok? Il y a un kebe comme ça, comme ça tout. Il y a un kebe comme ça. On dit chaque monde a un problème. Ok? Donc, je dis à la m'gal parler de droitement. Après la vidéo, ça, ou si vous avez un bon droitement, ou si vous avez un bon rouge. Parce que dans le bagage, normalement, si je bats bon doigtement, je ne peux pas faire. Normalement, je suis supposé jouer à tous les quatre doigts. Mon match, je suis supposé commencer ensemble avec vous lundi, si je veux. Ok, on va avancer avec ça. Nous avons pour nous aujourd'hui. Doigtement, c'est un premier bagage. Toute bassiste doit gagner. Ça veut dire que c'est un premier bagage qui permet de jouer, qui permet de travailler des séries de bagages. Par exemple, moi-même, je fais des séries de bagages rapides sur Internet. Là. Par exemple, ok, par exemple, tout le bagage, ça, au thème, ça, son thème qui est donné à lui, déjà, déjà, son bel thème. Mais pour me travailler, thème, ça, faut que je mette un doigtement. Ça, c'est plus le bagage rapide, ça. Et si nous avons un bagage, le grand remarque que nous avons fait, nous avons un large doigtement en pile, mais large doigtement en pile. Ok? Je vais faire. Hein? Donc, si je fais des séries de bagailles, mélange de moi en pile. Donc, ça, c'est l'idée. Le premier bagaille, c'est l'élage de nous. Il y a un doigt dans chaque case. Il y a un doigt supposé dans chaque case. Premier bagaille. Ok? Doigtement, c'est le premier bagaille qui basse de gain. Parmi doigtement, on a besoin de jouer un doigt dans chaque case. Normalement, dans la basse, là, mes premiers doigts nous, mes deuxièmes doigts nous, mes troisièmes doigts nous, mes quatrièmes doigts. Ok? Doigt ça, il va contrôler, il est adapté dans deux instruments. En plus, tout seulement partie ça, on va mettre dans deux instruments. Trace la balade, seulement partie ça. Par exemple, mettez pouce moins dans deux instruments et puis il y a un doigt dans chaque case. Normalement, pouce ça va supposé paraître, mon bas supposé well. Si je joue en bas, je fais sous le quelconque, là, pouce ça paraît sans problème. Ça va dépendre de ça, je vais faire. Mais si je joue en l'air, pouce ça va supposé paraître. Il y a un doigt dans chaque case. Il y a un bagage que nous avons fait à l'air, pendant que nous avons fait ce loi, nous avons l'âge de mon pile. C'est pour sa position. Ça va dépendre de ce que nous faisons. Si je monte une gamme, mais même gamme de ma monte, nous parlons de 2 pouces. En plus, nous avons commencé avec 2 majeurs. Nous respectons les cases. Il y a 2 dans chaque case. Mais nous avons une seule position, nous avons monté, nous avons descendu. Ok? Elle dit, mais arrêtez. Statique sur match bassin, ok? En plus, il y a un autre bagage encore, nous avons remarqué. C'est poignée, moi pousser poignée. Ok, poignée, si vous y poussez, presque dans la même direction, ensemble avec et match bassin, ok? Elle dit, poignée, c'est correct. C'est ma fois exercice. Voilà. On va faire le premier exercice, mais là. D'après, les mêmes jeux dans le code sol là. Poignée à guetta dos et par exemple, c'est là, le guetta dos vient là, sans problème. Ok? Voilà. Tout le monde monte pour poignée à avancer. Ok? Il y a un exercice de droite, moi, je me contrôle avant pile. C'est un bel exercice, c'est un exercice qui est vraiment important. Par exemple. Par exemple. Ok, c'est un très bel exercice. C'est libre rapidité. Doigtement tout. Ok, et je commence dans Fa, je fais Fa, je fais 4 notes, toujours même position, hein. Dans chaque case. Donc, l'autre bagage encore pour me dédier, main droite. Main droite là, je parle de doigtement entalé. Ok, on fait exercice ça avant. Je fais Fa, pour me venir dans sol jazz, je continue dans La, 4 notes encore pour me venir dans Do, et oui, pour me venir dans Do. Et puis là, je monte et je fais 2 jazz. C'est comme si je fais toutes 12 gammes chromatiques là. Je fais 2 jazz, je fais 4 notes encore pour me revenir dans Mi. Je continue, je descends. 4 notes encore, je reviens dans Sol jazz. Quand je fais Sol jazz, quand je fais La, je viens là. Je fais 2 passées de 4 dans chaque code. Et puis je fais en continuité. Là, je viens. Ok? Je fais La pour me revenir dans Do. Je continue dans le même code là encore. Deuxième passé pour me revenir dans Mi, on fait Mi, on fait Fa. Ok? On fait 4 notes pour me venir dans Sol jazz.
On descend encore. Là, on vient dans le dos. Ok? Et puis, je vais monter. Même bagaille là. Même bagaille. Bon, on dit, bon, pas besoin d'éterniser sur ça seulement pour me faire vidéo à longue. Bah, c'est un monde qui est bien gardé, bien pressé. Pour comprendre ça que fait la bosse, on n'a pas travaillé, ok? 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 C'est un très bel exercice, elle travaille. Donc, moi, je me dis aller en pile. En plus, tout, l'exercice, ça permet de viser, moi, je basse bien. Ok? Je vais prendre un côté de bras, ok? Je vais prendre tout le bagage. Donc, c'est un bel exercice. Il permet de viser, moi, je basse en plus. Bon, doigtement. Et puis, tous les quatre doigts, tu vas jouer normalement. Mes doigts là, comment les? J'en vais mettre même comme ça. Ok? Mettez les doigts pouces là, prends appui sur le code de si. Ça est basse 5 codes. Si c'est basse 4 codes ou gain, la prend appui sur le code de mi. Ok, mettez le prend appui. Il y a un monde qui mettez le sous micro, mais moi je vais mettre le micro. Index majeur, index majeur, index majeur, index majeur. Ok, index majeur, index majeur, index majeur, index majeur. Par exemple, si je descends, si je fais un travail en bas, pour ça, tout, pour ça, quand je descends sur le code de mi, sans problème. Le cas descend. Ok? Mais comme ça, tout le cas monté, le cas descend. Mais moi-même, je n'aime pas jamais facile de descendre. Je quitte le seul côté. Ok? Par exemple, c'est moi qui viens. Donc, je regarde mes gauches avec mes droites. Et puis, par exemple, c'est moi qui viens de code Siakonia. Là, je fais un petit monté. Je vais pousser ça. Je vais mettre l'autre côté. Par exemple, je ne vais pas faire le temps. Vraiment, je vais faire. Normalement, pour ça, prendre place lui automatique. Ok? Par exemple, viens là. Est-ce que nous? Il va prendre un pied à quel côté. Et puis il descend. Ouais. Il tourne automatique la caméra. Ouais. Il va continuer de tourner rapide. Parce que nous avons un mouvement quand même. Ok? Ouais. Un mouvement. Nous avons un code de si. Donc nous allons prendre un pied à quel côté. Je vais arrêter comme ça sans problème. Pour ouais. L'immédiat, on va descendre. Ouais. Automatique, les tours à demi sous code de si. Ça. Bon, ces vidéos, ça, je vais partager ensemble. Ces topics, ça, je vais partager ensemble avec nous aujourd'hui. Qui c'est droitement dans la basse là. C'est un bas qui est très important. Tout bassiste, tu as supposé regarder la vidéo. Il y a un bassiste qui est dans un bel niveau avancé, mais qui n'est pas gagné droitement. Ok, il y a un bassiste qui a un bel niveau, mais pas un doigtement. Ou qui a un bel niveau, pas un doigtement. Et dès que vous parlez de doigtement, là, bon problème. Et ça fait moi-même, je fais nuit, je joue, je fais toute journée, je joue, je joue 6 pour 6. Malgré ça, je joue, je ne fais pas mal à rien. Ok, mais il y a un bassiste, depuis qu'il commence à jouer, pour aller fait le mal, bien, il y a un doigt qui fait le mal, il y a un faisant poudre, je ne fais jamais faire bagarre comme ça. Ok, sauf que les débutants, les fins quand ils sont en basse, ils ont un faisant poudre, et puis, ils ont un index là, ils ont fait ça, ils ont connu, c'est comme si ils ont la fête. Début de ça, je ne fais pas comme ça encore. Donc c'est ça. Ok, je vous souhaite une vidéo, ça a été très utile. Non? À la prochaine dans notre vidéo. Faites-moi dans les commentaires qui vidéo vous me faites, pas oublier.